Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'histoire poignante de Loan et de sa chienne guide, un berger suisse de 4 ans. Après plus de 60 séances d'éducation sans succès, ce chien continue de montrer des comportements troublants. Les méthodes classiques l'ont même rendu plus anxieux en exploitant la vulnérabilité de Loan. Mais aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de totalement différent. Avec notre méthode naturelle sans friandises et avec l'aide de notre chaîne spécialisée Eden, nous allons recréer des situations inattendues pour observer une transformation qui va vous surprendre. Si vous avez été confronté à des méthodes inefficaces, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait bien changer votre façon de comprendre les chiens. N'oubliez pas de partager cette vidéo car ensemble nous pouvons faire connaître cette approche unique. Place maintenant à la chaîne spécialisée Eden. Ça suffit. Ça fait vraiment 4 ans que vous avez rencontré aucun autre chien avec le vôtre. Donc bah j'ai pas pu vraiment la détacher avec d'autres chiens. Non. Malgré plus de 60 séances avec différents éducateurs, aucune véritable interaction entre son chien et d'autres n'a été possible. Pendant tout ce temps, son chien n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer ses congénères, de sentir, d'évoluer avec eux. Un élément essentiel de son éducation avait été négligé, la possibilité pour ce chien de s'exprimer pleinement et de se connecter avec d'autres dans un cadre naturel et respectueux. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ce chien va enfin retrouver la liberté et l'équilibre qu'il mérite après tant d'années de souffrance. Docteur ! Dans le monde fascinant du chien, les interactions entre chiens révèlent des dynamiques à la fois complexes et profondément instinctives. Il est tiraillé entre son désir de communiquer et son incapacité à savoir comment agir. Ces aboiements deviennent alors une tentative désordonnée d'exprimer son malaise, une sorte de balbutiement canin. Je veux, mais je ne peux pas, je ne comprends pas. Eden a immédiatement saisi la situation. Elle ne répond pas aux aboiements. Au lieu de cela, elle adopte une attitude subtile et mesurée, cherchant à redonner confiance au berger suisse. Elle sait que ces aboiements ne sont pas une agression, mais une forme de désorientation émotionnelle. Plutôt que de se précipiter pour le renifler de manière intrusive, Eden choisit une approche respectueuse. Sentir directement un chien, surtout dans un état de vulnérabilité, pourrait renforcer son mal-être. Ainsi que chaque mouvement qu'elle effectue est soigneusement calculé. Chaque déplacement, chaque dépôt d'odeur devient une invitation à une communication plus douce et apaisante. Tout en se déplaçant, Eden profite des occasions pour analyser les odeurs déjà déposées, notamment celles laissées par le berger suisse sur le podium. Dans le monde canin, l'air lui-même devient un vecteur d'information, là où l'homme perçoit simplement une brise. Le chien capte des molécules olfactives transportées par le vent. Chaque souffle enrichit la communication entre les chiens. Eden sait que ces signaux invisibles pour l'humain sont clairs et essentiels pour le berger suisse. Le vent devient ainsi un allié, portant les messages olfactifs qui apaisent et guident le berger dans sa compréhension. Le berger suisse fait face à cette situation dans une grande confusion. Ses aboiements nerveux témoignent d'un mal-être profond. Ses gestes, son comportement, tout est empreint d'ambiguïté. Ça y est, on lui enlève vraiment la laisse. Tu vas permettre à ce chien de vivre une expérience incroyable, unique, sans muselière, sans chaînette, sans collier étrangleur. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on lui enlève le collier ? Bien sûr. Ça va être une première pour vous. Ah oui, oui. On est parti ? Oui. Allez. Thank you.
avec différents éducateurs canins, j'ai pu faire peut-être une soixantaine de séances, sans résultat derrière. Donc, 60 séances. J'ai pu voir plusieurs éducateurs canins, tous avec une méthode différente. À chaque fois, j'ai pas pu avoir de contact avec d'autres chiens réellement. Même s'ils étaient en laisse, j'avais pas de contact et puis encore moins des contacts sans laisse. Et jamais vous avez eu un contact de chien à chien? Oui, j'ai jamais eu de contact de chien à chien. Ils ont pas pu sentir, même parfois ils avaient même pas le droit de sentir les odeurs des autres chiens. Comme je vous ai dit aussi, il n'avait pas de contact du tout en laisse ni détaché. Oui, 60 séances, je sais pas quels sont vos éducateurs, c'est une catastrophe. Moi je suis déjà venue voir Joseph avec un autre chien, alors je reviens voir Joseph parce que je trouve que c'est la meilleure méthode. Mais bon, ça c'est comme ça. Hein. Vous allez voir, ça va se passer tout seul en l'espace de... Oh, vous n'avez même pas imaginé comment ça va aller vite. Non mais c'est vrai. Parce que vous l'avez vécu, vous. Mais moi je l'ai déjà vécu. Hein. Et pourtant mon chien il faisait 2,5 kg. C'était pas un berger blanc suisse. Hein. 2,5 kg. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. So close, you're eating my space. Don't inhale so much, you're choking me. Oh, everything you think you own or have the right to. Non, non, c'est vraiment... Bon, enfin, je suis ravie que vous soyez là, vraiment. Je suis très contente pour vous. Oui, je suis contente d'être là aussi. Puis j'ai hâte de voir et d'avancer à l'extérieur avec ma chienne. Après 4 ans de souffrance, ce chien est enfin libre, compris et épanoui. Sa propriétaire a fait le choix de lui offrir une véritable liberté et c'est grâce à une approche respectueuse, naturelle et sans artifice. Depuis toujours, je défends l'idée qu'un chien ne doit jamais être sous-estimé. Comprendre, savoir le lire, c'est la clé. Contrairement aux solutions superficielles que vous trouvez dans des tutoriels basés sur des friandises ou des colliers coercitifs. La méthode Gun vous propose une véritable relation avec votre chien, fondée sur la compréhension de ses besoins profonds. Si vous souhaitez bâtir une relation authentique et harmonieuse avec votre chien, sans tomber dans le piège des méthodes mécaniques, je vous invite à découvrir cette approche naturelle qui respecte l'animal, vous permet de vraiment le comprendre et de l'éduquer pour développer un lien de complicité durable. Cette rencontre révèle à quel point que des chiens comme Eden peuvent agir en véritable thérapeute pour leurs congénères. Ils utilisent des moyens visibles à nos yeux pour rétablir un équilibre, apportant une aide précieuse à ceux qui, comme ce berger suisse, ne savent pas encore comment trouver leur place. C'est là que réside la magie de l'éthologie canine, une empathie et une compréhension mutuelle qui transcendent les mots pour créer des moments de guérison purement instinctifs.